Salut à tous, mon nom est Yike, et voici ensemble pour un épisode de Hades. On va jouer la suite. Hein. On avait appris que Zagreus, en fait, sa mère, c'était Perséphone, et que Nyx ne l'était pas. Donc on ira lui parler ensuite pour savoir un petit peu le fin mot de l'histoire. On va repartir. Alors on n'a pas vraiment bien réussi avec les points jumeaux. Livraison spéciale pour toi. Boyo, next time you make it to the big VIP area upstairs, you watch out for those weapon-wielding gents out there. The eyeball soul thing that pops out when you beat them, you gotta squash those too, or else they'll grab their gear and come oui, right mais ça, je connais les mobs. Crush the souls of Elysium's exalted shades to stop them from regenerating over and over. Ok, il nous explique. Hey, ah, on a une nouvelle arme. Combien 8 clés, on les a pas. 4 clés, ça aurait été bien. La lance nous donne plus de cadeaux. Après, c'est peut-être peut-être pas ce qu'il faut qu'on fasse. La lance, en plus, on a déjà bien réussi. Je pense qu'on va prendre l'arc, parce qu'on n'a pas dû réussir à l'arc au tout début. Excellent. Alors, les urnes que vous détruisez ont 3% de chance de contenir de la nourriture. C'est balèze. C'est le truc de Dusa. C'est sympa, ça, hein, par contre. Parce que toutes les urnes... œufs cosmiques plongés dans le portail du chaos sans perdre de vie. Les bénédictions du chaos ont 20% de chance d'être de qualité rare ou supérieure. J'ai l'impression que la qualité de l'enchantement change rien. Parce qu'on avait vu qu'on avait un truc épique, ça donnait un lancer et ça changeait absolument rien à part la difficulté. Le prochain bienfait, je me demande si... il nous faut le truc d'Athéna. Il nous faut le cadeau d'Athéna qui nous donnera une bénédiction d'Athéna obligatoire à chaque début de truc. Par contre, pas perdre de points de vie pour rentrer dans le royaume du chaos, dans les trous là. Voilà, ça servira quasiment jamais, mais si je prends l'œuf, est-ce que il me mettra pas un trou obligatoirement dans l'aventure? Écoutez, on va prendre le truc de Dusa. Parce que je pense que si on le level up, on gagnera encore plus de vie, et on va prendre l'arc pour changer. Même s'il n'y a pas le bonus de 20%. Ouais, let's même s'il n'y a pas le bonus de 20%. Ah ouais, mais l'arc, c'est nul. Ouais, l'arc c'est un peu nul. Ouais, bon. C'est vraiment un autre style de jeu, hein, l'arc. On va y aller zen. On va voir si être un archer patient fonctionne dans le jeu. One more time. Family. Death is your only family. Death and I. Best get accustomed to the both of us. Excellent, ces petites scènes de transition. Not on your life. Alors, Aphrodite. I cannot help but wonder, dearest, why Lord Hades would have kept your mere existence hidden from us all this time. Perhaps he knew that once you met us, you would stop at nothing to come seek us out. Oui, on a envie d'aller vous voir. Votre attaque est plus puissante et applique l'état affaibli. Ouais, votre technique est plus puissante et applique l'état affaibli vachement mieux sur le tir multiple. Votre élan permet d'infliger des dégâts autour et affaibli. On va faire le tir normal. Le tir normal, il affaiblit et il fait plus de dégâts. On lance des petits cœurs. On est Cupidon. Hop, une flèche de mort. C'est pas mal. Come on, let's fight. Il nous a repéré mais trop tard. Ah mais il y a une faille pour le chaos. Juste là. Je le vois là-bas. Ouais que 5 c'est nul. Oh. On pourrait prendre, essayer de prendre toutes les bénédictions d'un seul dieu pour voir ce que ça donne. Mais parce qu'il y a des combos sûrement. L'état affaibli provoque des explosions du cœur de vos ennemis ou un truc comme ça, vous voyez. Mais en même temps, le chaos, c'est sympa. Hein. Allez, on est full life. C'est peut-être le moment de le dépenser. Interesting. C'est quoi ça? The deepest reaches of the underworld, the void from which all life and consciousness sprang forth during the dawn of time. Could you keep it down? Il engueule le narrateur maintenant. Alors, oui. You move in darkness, practically unseen, son of Hades. It is quite difficult even for me to sense your presence at times.
The Olympians catch their glimpses now and then, but you are always in a shroud. Thus is the influence of Nyx. Donc on est protégé par Nyx. Caché par Nyx. Alors, il va falloir avoir le fin mot de l'histoire. Pendant les 3 prochains combats, votre vie totale sera réduite de 36. Ça va, ça ne fera pas perdre. Ensuite, les valeurs de gemmes et de gemmes. Non, de obsidienne et de gemmes. Augmentées de 58. C'est pas mal, hein. Là, on prend plus de dégâts. On obtient un tir supplémentaire. Non. Ok. Désolé. Alors, pendant les 4 prochains combats, les pièges vous infligent plus. Et votre technique infligera plus 53. On va prendre ça. La technique, c'est ça, hein. Même si elle fait pas beaucoup, plus 53, ce sera fun. Et on va prendre la clé pour l'arme. Alors. Alors, attendez, je suis déconcentré parce que ça parle à côté. Ok. On va y arriver. Ça n'a pas beaucoup de points de vie, on peut peut-être l'avoir comme ça. En fait, j'ai tellement envie de dasher. Mais avec l'arc, ça marche pas. Ah, faut qu'on tape les urnes. Ah ouais, mais ça va pas être pratique, ça. Ah, c'est avec ça. Hop, comme ça, on récupère de la vie. C'est balèze en fait, hein, le plumeau, je vous avais dit, hein, les persos les plus pourris, ils ont sûrement les objets les plus puissants. Hop. Ouais, si on peut récupérer 10 points de vie de temps en temps comme ça. Ok, l'arc détruit les projectiles sur sa route, donc on peut presque y arriver. Enfin, je vais quand même les esquiver parce que... Faire ça, sinon. Alors là, je leur fais des dégâts à cause des piliers. Hein. Alors, 89 de dégâts, d'accord. Bon, il nous manque 3 points de vie et on les gagnera, donc pas besoin de sandwich. Des gemmes ou des gemmes? On va prendre des gemmes là. Oh putain. Ouais. Vous imaginez une salle remplie de ça? On le gérera pas, hein. Pas avec l'arc en tout cas. Il est mort l'autre. Ok. Faut changer quelque chose de cet arc. L'idéal serait de pouvoir accélérer ce chargement de tir là. Bien qu'on peut relâcher assez vite, mais bon. Bon, c'est aussi un rythme à prendre. Mais le dash tir me paraît pas mal. My chaos bone switched to a new effect. Alors, mince, c'était quoi déjà? Ah, ma technique qui fait plus de dégâts. Barrage impitoyable. Votre technique tire 4 flèches supplémentaires. Ok. Votre attaque inflige plus 200 de dégâts aux ennemis éloignés. Ouh, mais ça a l'air pété ça. Plus 200% de dégâts. Flèche chasseuse. Votre attaque frappe 3 ennemis, infligeant plus 15 dégâts supplémentaires après un rebond. Oh là là, ils sont tous puissants. Mais je viens d'augmenter ma technique de 50%. Mais la flèche chasseuse qui ricoche... Ou alors, tir éloigné, simplement. Ouais, mais le tir, ça va pas être ma technique principale, je crois pas.
Malgré qu'on ait le truc d'Aphrodite, la machin, je crois pas que ce soit le tir. Et ça, pareil. Le rebond, par contre, c'est puissant quand même, hein. Mais pareil, c'est sur l'attaque de base. Non, je vais prendre les 4 flèches. Ça fera un barrage plus dense, au cas où on me tire dessus des projectiles. C'est peut-être le seul moyen que j'ai de... Oh putain, cyclope. Peut-être le seul moyen que j'ai de stopper une salle avec des sorcières. You and me. 30. Ouais, on fait pas des gros dégâts pour le moment. On va plutôt les avoir à l'ancienne, on va dire. Alors je fais 120 quand j'arrive à le faire au moment du clignotement, hein, quand même. Au contact, je vais en coller un et je vais lui mettre la rafale. 103, ok, et c'est hyper simple à faire. J'ai pas évité ça, c'est pas sérieux. Ok, il la prend pas si jamais on la renvoie pas, hein. Sa propre bombe. On a vu qu'il pouvait se la prendre quand on la renvoie, mais pas quand c'est juste comme ça. Ça c'est quoi, c'est Ares? Ah, my favorite underworld death dealer. I so look forward to the pain you shall inflict this time around. C'est un gros sadique, lui. Right. Soutien d'Ares, votre appel vous transforme en une faille tranchante invulnérable pendant une seconde 2. Dégâts de la faille, 45 par coup, bonus de jauge max durée 5 secondes. C'est comme le truc qu'on avait qui nous faisait charger de Poséidon. Votre lancer crée une faille tranchante. Le lancer, c'est sympa, hein. Votre élan crée une faille tranchante, mais celle-ci fait beaucoup plus de dégâts, et celle-ci encore plus. J'hésite, hein, le soutien d'Ares. En fait, en gros, j'appuie sur F, je suis invulnérable pendant une seconde 2. Ça peut me permettre de me sauver de cas difficiles, mais ça sera très dur à utiliser. Et l'attendre la jauge à fond, j'ai jamais réussi encore. Non, on va prendre le tir tranchant. Pour le... Ouais, ça a l'air cool. Ok, c'est pas auto-guidé tout ça, mais je pense que ça peut faire super mal ce truc. Et, oh, ça c'est joli. Si on pouvait augmenter nos pouvoirs là. Ah, bah c'est pas elle. Your Highness. Oh, bonjour, qui es-tu? Ah, c'est celui qui pousse le boulet, qui retombe sans arrêt quand il arrive en haut de la colline. Prince. Attendez, je cherche des sandwichs, tu permets? C'est bon, on est full life. Hey, Princette, must look like I'm slacking off with the old boulder here. Arme torturée. I was just getting back on my feet. The Fury sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And what are you doing here? Ah, les Erinis me laissent pas souvent en paix, mais vu qu'elles s'occupent de nous parce qu'on essaye de s'échapper, du coup il est tranquille. Well, you know, just out on a little stroll is all. Do me a favor though. You see the Fury sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business. Alors, oh, il nous propose de la bouffe. Ah bah, on est full life, on s'en fout. Obsidienne, peuvent être assimilés par le miroir de la nuit pour donner... Oui, d'accord, de l'or ou de l'obsidienne. Si on veut réussir le run, il faut prendre de l'or. Et sinon, on prend de l'obsidienne parce que bah, c'est ce qu'on cherche quand même à accumuler des ressources. On va prendre l'obsidienne. Makes sense to me. Cheers, mate. Et on n'a pas le bonus de 20%, hein, mais sinon on aurait touché. Et en plus on a de l'or au prochain. Ok. Ça devrait être cool. Merde, j'ai cru que c'était un ennemi ça. Alors, je crois qu'on tape assez fort quand même avec ce foutu arc. Hein. Vous savez ce qu'il faudrait? Des chances de coup critique avec. Comme ça, on mettrait vraiment des chiches de l'enfer. Par contre, pour battre Thésée et le Minotaure avec ça, je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Il va nous falloir une astuce, hein. Ça se trouve, on va y arriver avec ça et pas avec les autres armes. Vous allez voir, ça va être la honte absolue.
crois qu'on a fait tous les pop. Donc ça doit être le dernier. Oh la première. Ouais, je zen hein. Ok. Ah, on peut aller tout de suite au marchand ou une clé. On a besoin de clé hein. Mais le marchand, on peut acheter un pouvoir et se soigner, mais on n'a pas besoin des soins. Mais on peut aussi au moins avoir un pouvoir, vu que là on n'en a pas eu des masses. Et en plus c'est un pouvoir qu'on aime bien. Ah, on pourrait prendre les gemmes. On va parler à Charles. Carry on, mate. Now, hypothetically, if I provided you with, say, 1,000 coins, would you be willing to give me a ride in your beautiful boat? Upriver, I should say, specifically. Non. Non, il est pas d'accord. Ok, on va prendre ça. Don't spend it all in one place. You know, one thing I'll say for Charon there. He doesn't talk too much. And since neither do you, I'm letting you have this. Alors, technique mortelle, votre technique est plus puissante. 20% de chance d'infliger des dégâts critiques. C'est pas mal. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais préféré avoir une technique maudite ou un truc comme ça. Soutien d'Artémis. Votre appel tire une flèche chercheuse ayant plus 35% d'infliger des critiques. Dégâts de la flèche 100, bonus de jauge pleine, flèche tirée 10. Donc ça envoie 10 projectiles qui font 100. Tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critiques. Franchement, j'ai pas envie de prendre cette technique de base. Je vais prendre point de pression parce que ça c'est passif. Et puis la technique, je veux avoir. Bah, il faudrait être Ares en fait. Il faudrait qu'on tombe sur Ares pour la technique pour le tir maudit. Ou alors le tir qui empoisonne. Parce qu'on balance quand même. Hein, une belle bordée. Je pense que si on met poison max sur des ennemis comme ça, ça peut être pas mal. Hein. Ah, il y a un coffre ici. What? C'est bien que ça traverse ces flèches. Un truc anti-bouclier aussi, il faudrait avec cette attaque. Vous voyez, c'est des petits détails, mais mis bout à bout, ça nous donne un petit peu comment on veut développer le perso. Par contre, j'ai pas gagné de vie depuis le début, là. Rewarded. J'ai 50 points de vie, hein. Je vais me faire massacrer. Alors, lancer cray... Ah, la faille, putain. 100% ou ça? Non, on va continuer quand même sur l'arc. Bah, maintenant, on est parti. Faut que j'utilise ça. C'est trop balèze. 51 pièces... On va prendre les points de vie. Feeling good. En plus, juste avant le boss, on est full life, pas besoin de sandwich. Ben, go. Par contre, on cassera les urnes durant le combat si on galère, parce que là, on a que 75 points de vie quand même. Listen to me, Zagreus. Your mother is long gone. You're never getting out of here, and even if you tout le monde était au courant, what en fait. Could you possibly have in finding her up in the world out there? I've hope enough. Not that it's any of your business anymore. Your family anymore. Is here, and so is your responsibility. You're running from yourself. Though, I can slow you down a bit, I think. On lui a enlevé. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Et l'avantage, c'est que ça se stocke pas dans. Ça se bloque pas dans l'ennemi. Ça se bloque pas donc je peux les récupérer assez vite. Attendez, faut qu'on se débarrasse de ça là. Ça a l'air fort quand même. Je vois mieux ses mouvements avec l'arc. J'ai moins de soucis pour l'éviter. Oh, il y en a un dans mon dos. Ah, dommage. En fait, faut que j'arrive à envoyer les machins là
Mais au moment où elle se pose pour faire un truc. Voilà, comme ça, là, par exemple. Bien que je lui ai rien fait du tout, hein. Bah attends. Ah. C'était... Regardez, mon tir, il est vraiment passé entre tout le monde. Hein. Non mais j'ai dash, espèce de tricheur de jeu. Ok, quand elle fait ça, je vais la voir. Oh, ça a ricoché sur le mur. Non, c'est pas ma faute. J'ai bien visé, c'est le jeu qui a triché. Quand elle fait ça, c'est pas mal aussi. Oh putain, elle a pris cher le chargement. Elle est morte. Elle est morte, elle a fait le pouvoir. Non, elle prend rien. Ah. Oh ouais, le pouvoir d'Arès, c'est pratique. Taisez, je le défonce avec ça, je pense. Yes. Je lui balance 3. Il reste sur place à faire son kéké avec sa lance là. Et je pense que je l'ai avec ça. Bon, par contre, cassons les urnes maintenant. J'ai pas pensé à le faire en combat, mais si on peut avoir un petit sandwich. Oh putain, y'en a pas. Non. Ah, mais y'a le puits. Well, father. Tread lightly, boy. Ok, alors. Point de pression, il est niveau 1, on pourrait le vendre. Tir tranchant, non, il est bien. Frappe brisqueur, bah finalement il est pas si mal. Celui-là, juste parce qu'il est normal, on pourrait le récupérer en plus gros. Mais surtout parce qu'on a un peu besoin d'or quand même. Hop. On a tellement besoin d'or que je vais prendre ça. Hop. Et restaurer 19 points de vie, obtenez 12, ça on va prendre. Garantit la présence d'un portail du chaos plus loin dès que possible. I'll just take this one. Et on va prendre les points de vie parce que le portail du chaos va nous blesser. Broke out of Tartarus. J'aurais pu prendre le pouvoir si j'avais vu le truc, le puits. J'aurais dû prendre le machin qui donne plus 20% de la bénédiction du chaos. Vu qu'on était sûr de rentrer dedans. Ah, this heat. Ah bah il est là. Au lieu d'Hermès, j'ai le portail. Je regarde s'il y a des petits points. Let me have it. Est-ce qu'on peut se soigner ? Il y a des urnes, hein. Je tape au cas où le... Ah bah non, j'ai plus le truc de Médusa. In the name of Hades. Bah oui, j'ai pris les 100 pièces d'or. Alors, mutilation spirituelle. Pendant les 3 prochains combats, à chaque fois que vous utilisez votre attaque, vous perdez 5 points de vie. Et à la fin, vous regagnez 38 points de vie. Max. 3 prochains combats, vous avez 54% d'ennemis. La valeur des pièces augmentée de 35. Technique inflige 45 de dégâts en plus. Les pièges vous infligent. Ok, on va prendre ça. Donc notre technique, elle va être vraiment pas mal. Hein. Notre technique va vraiment... elle a quasiment le double de dégâts par rapport au truc de base. Bon. On va se rater comme un abruti. En plus, elles ont de l'armure. On va essayer de les sniper discrètement. Oh. Alors la faille ne détruit pas les projectiles. Hein. Les
sérieux, je prends des dégâts bêtement. Hein. You're just in time. C'est pas dur pourtant. Je comprends pas. J'ai l'impression que je prends des dégâts. Je vois pas pourquoi j'en prends des fois. Ah, les machins au sol qui brûlent peut-être, ouais. Peut-être que je fais pas assez attention à ça. Points de vie, putain. Il nous faut de la vie. Il nous faut un marchand. Ouais, mais le marchand, ça va me rendre de la vie, mais j'ai pas, j'ai même pas de quoi acheter un pouvoir. Ouais, mais bon. Je vais regarder s'il n'y a pas un puits caché ou un coffre ou quelque chose. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié le coffre la dernière fois. Ah, on va casser les urnes aussi. Ah bah non, ça sert plus à rien. Ouais, le truc de Médusa, j'aurais dû le garder en fait. Parce que soigner quand même de 10 points de vie sur quelques urnes de temps en temps, c'est quand même pas nul. Hein. Allez, donne-moi de la vie, Max. Oh. Deux pouvoirs et des gemmes. Ah, 20 gemmes, c'est quand même bien, mais... Dionysos... Bon, au pire, on peut faire des runs très rapides, hein. Mais j'aimerais bien sucer la moelle de chaque run, si possible. Hein. Putain, l'enfer, je fais pas de dégâts. Pas assez de dégâts. Même si la technique à bout portant c'est pas nul. Le tir est pas nul en soi hein, mais 142 c'est pas mal, mais les mobs encaissent vachement bien. Hein. Le pire mob. Le mob qui fait les dégâts. Ouais. Ah mais il y a ça. J'oubliais que j'ai des dégâts absurdes. Mais il faut les utiliser. I'm empty. Oh mais je prends trop de dégâts. C'est l'abus total. Et voilà, un refus de la mort sur des mobs de merde. C'est lui hein, qui m'a tué. Putain. Quel gâchis. Le pire c'est que j'avais de la vie, mais vous voyez, carrément pas assez de vie en fait. Oh, hey, you must have had a run-in with a lovely Aphrodite, am I right or am I right there, Zach? But I have just the thing to go with. Ah, un duo? Non. Alors, si votre vie est trop basse après un combat, elle est restaurée, c'est pas mal. Votre technique a pris Clayton intoxiqué. Oui, bon, je crois qu'il n'y a pas de doute. C'est intoxique maintenant. Et en plus, ça n'a pas viré l'autre pouvoir qui augmentait tous les dégâts. Hein. Ça n'a pas viré non plus le plus de flèches parce que c'est le marteau de dédale. Donc là, on a un super truc. On a une super combo. On se prend la mine. Oui, il va mourir ailleurs. On va fouiller ce coffre, nous, dès qu'il sera mort. Là, on empoisonne tout le monde, c'est trop puissant. Si même on veut pousser le vice.
Peut-être qu'on a la combo qu'il faut, mais on n'a pas de refus de la mort, on n'a pas de point de vie. 50 du trésor, non, non, oublie ça. Il nous faut... Ah, il nous faut les petits projectiles cadeaux en plus. Si on peut avoir les petits projectiles cadeaux à chaque fois qu'on tire, avec le tir multiple, ça va être l'enfer. Qui m'a défoncé. J'utilise même plus mon attaque de base. Ok, il y a le pénible. Il y a deux pénibles. Et Athéna, vous avez vu, hein, je réussis aucun des runs parce que j'arrive jamais à tomber sur Athéna quand même. Hein. Enfin, je réussis aucun des runs à cause de ça. Ça se passe pas super. Là, on avait des super pouvoirs, mais voilà, la vie, les refus de la mort. Il faut vraiment qu'on accumule les 120 gemmes hein, pour un deuxième refus de la mort. Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed to? Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Good, then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. Non, non, faut pas le motiver à pas bosser parce que. I'll have to spend some of these gems with the house contractor. Ah. Contracteur. Alors. Oh, on en a combien? On en a 48 fontaines sacrées qui ont plus de vie. Ou un peu de sous dans les urnes. Ça peut aider, hein. Oh, on va prendre ça. This one, contractor. Not to make the underworld a better place, I think. Bureau du contremaître de luxe. Objet spécial, vous donnez au contremaître un peu de répit. Et de nouveaux travaux. Ok, ça coûte 2 diamants quand même. Hein. Let's go with this. You've done so much for us, house contractor. Why don't you do a little something for yourself? If that mess of a table enhances the contractor's productivity, then so be it. Ok, là ça a débloqué plein de trucs. Hein. Alors, index du codex. Alors ça, ce serait bien. Les urnes, 10 pièces d'or dedans au lieu de 5, c'est mieux. Soif insatiable, les rénovations des enfers, la soif des ténèbres de vos armes vous donne également 20 gemmes. Oh, ok, ça, ça pourrait être cool. Gemme étincelante, rénovation, obtenez 20 lorsque vous ramassez des gemmes après un combat. Oh, il faut plein de diamants maintenant. Nectar ancien, rénovation des enfers, obtenez plus un niveau de pouvoir lorsque vous ramassez des nectars après un combat. Rénovation des enfers, obtenez plus un... Un plus un quoi? Autorité prédestinée. Permet de changer aléatoirement la récompense de la prochaine chambre. Ok. Lorsque vous ramassez des clés dans un combat. Et rénovation des enfers, obtenez 5 points de vie max lorsque vous ramassez des obsidiennes. Ça c'est bon ça. Comme ça on augmente notre vie max au fur et à mesure qu'on fait des petites salles. Bulletin du vainqueur. Obtenez des gemmes lorsque vous venez à bout d'un boss des enfers. Donc on obtient des gemmes quand on tue un boss. Et quand on obtient des gemmes... On gagne de l'or quand on gagne des gemmes. Vous voyez la combo? Et il manquerait plus que l'or nous fasse gagner un truc ailleurs et c'est bon. Ok, bon. I know that Nyx has been abetting you. You wish to take advantage of her pity. Ses pouvoirs ont leurs limites. How can you? Nyx is the knight itself. It can do as she pleases, isn't that correct, father? You think I asked to get involved in all this business? You, boy, have already dragged this entire household, not to mention my fool relatives, into this mess which you've created, which you dare call business. Pleasure doing business, then. Ok. Ça va pas s'arranger entre deux, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Thank you for waiting. Tout compte fait, je n'aurais jamais dû boire ça, la ciguë.
parlons au chanteur. Oh, hello, Zagreus. You look a little down. And so I was just wondering, would you perchance fancy a song right now? Oh, si elle se met à chanter, il va être content, le père. La lamentation dans le sang, les Argonautes. L'Argos, c'est le bateau de Jason. Hein. Dans le sang. Ouais, dans le sang. How about in the blood? That's one of your old hits, right? Oh, fancy that one, do you? Alas, I've not the heart to sing it anymore. I'm glad you like it, though. Donc, elle va pas chanter. Ok, bon, bah ça c'est fait. Nyx, do you know anything about a softly spoken gentle being under the guise of chaos? They approached me recently and offered me a boon of sorts. Primordial chaos. Indeed, I know them well. They must have taken interest in your quest. I would advise that you beware their offerings, though know that chaos, whilst a trickster, is not a deceiver. Ok, donc c'est un facétieux, mais pas un trompeur. La différence est mince. Hey, ah, mais il y a tout le monde qui picole maintenant, aïe. Hey, what's that you're drinking, Meg? Whatever it is, it's weak. Enough to be mistaken for your blood. Nice. Well, I'll just leave you to it then. Ok, on vient de se faire rembarrer, mais joli. Ah, c'est qui a gagné? Ah, mais c'est lui! Congratulations, Wretched Broker. Excellent! C'est lui l'employé du mois. I'd ask you to join me for a drink, lad, but I know you've a task ahead of you, and liquor dulls the senses. Fortunately so, under most circumstances except yours. Leave me to it, will you? Some other time, Achilles. Just checking in on you, but... Ok. Bon, bah c'est bien. Y'a rien avec lui? Chef cuisinier. Ok, allons voir combien on a de clés. On a 5 clés, je crois pas que ça soit assez hein, pour l'arme. 10 clés, on n'a pas assez de sous. Oh, alors on garde pour ça. Hein. Refus de la mort, il nous en faut plus. C'est le seul moyen qu'on passera. Faut qu'on y aille en bourrin, nous. Skelly. On va mettre un peu un coup de collier là-dessus. Donc je vais prendre l'arme qu'il me propose à chaque fois. You know something, boyo? I think you could do a real number on one of these columns, holding up this place and bring the whole... Ok, il nous explique comment les colonnes font des dégâts aux alentours, d'accord. Donc on va reprendre le point. Malfon, the twin fists. Let's say we crack some skulls. Ready, Malfon? Ouais, point de vue dégâts, c'est pas mal. Faudrait que j'apprenne à utiliser l'attaque spéciale, je pense. Alors, on va voir les dégâts que ça fait. Quand je fais ça, ça le tabasse 150. Et ça, ça fait 120 en une seule attaque. Donc oui, il y a quand même un avantage à... D'accord, je vais essayer de l'incorporer à mon enchaînement. On va prendre quoi? Alors, l'œuf du chaos. La nourriture, c'était cool, hein. Pour le premier boss, on n'a pas besoin de la nourriture, on la prendra plus tard. On va prendre le pouvoir de Zeus pour avoir les étincelles. Et on se fait taiser, hein, cette fois. Donc, je tuerai le Minotaur parce que au corps à corps, ce sera plus simple de gérer le Mino au premier. Enfin, si j'arrive jusque là, hein. Parce que là, on n'a pas réussi à aller très loin. My brother Hades always was a lonesome man, you know. I pitied him, but I could never quite extract him from his thorny shell. Now he stews resentfully down there. You needn't bear the brunt of his frustrations. Alors, technique foudroyante, déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis. Ah bah c'est dommage, avec l'arc ça aurait été sympa. Votre attaque poudrie une étincelle en épique, je pense que c'est pas mal. Electric. Ouais, ok. On est prêt. Oh, et puis on a tout de suite le chaos. Par contre, ouais. Faire gaffe, hein, quand on a 50 points de vie, le chaos c'est cher. The fathomless expanses hidden in darkest corners of the underworld stretch well past the notice of Lord Hades himself. Le prince important parvient à s'y introduire. Wasn't all that hard to find, really. The Olympians are vying for your favor, are they not? So often they forget themselves. They force their blessings onto you. Whilst I merely offer you a choice. Ok, écorchure réprisée. Alors,
Valeur des gains, 74% augmenté. C'est ce qu'on va prendre. 3 prochains combats, technique, on perd 5 points de vie. On l'utilisera pas, c'est bien. Dans les 4 prochains combats, la totale des vies est baissée. Ensuite, votre technique inflige plus. Votre attaque inflige plus. Ah là là. Ah, j'ai envie des ressources en fait. Je me dis que c'est le seul moyen de vraiment l'emporter dans ce jeu, c'est de gagner des ressources le plus vite possible. Donc en fait, c'est le grind de ressources qui va nous sauver, nous. Là, on augmenterait l'attaque, donc évidemment, ça serait génial avec les points. Mais pensons à long terme. On va prendre... Est-ce que je prends Zeus encore ou Aphrodite? Aphrodite, qu'est-ce qu'elle donne de bien? Ah, c'est juste parce qu'elle est jolie. Et parce que tu peux pas faire des duos avec le même. Avec un peu de chance, on aura un truc duo, genre. Ah, plus 30% de dégâts d'attaque. Ça aurait été cool quand même, hein. You've had a brush with Megara the Fury, haven't you? Oh, I know a thing or two about that one. Though lately we Olympians no longer mingle with those living in the underworld. You're the only exception. Elle est mimi, hein. Alors, tir exalté. Non, c'était le shotgun. Soutien d'Aphrodite. Votre appel tire un projectile chercheur capable de charmer un ennemi. Ça a l'air rigolo. Lorsque vous subissez des dégâts, vous en infligez aux ennemis à proximité tout en appliquant affaibli. Alors c'est bien parce que affaibli, ça réduit 30% de ses dégâts pendant combien? 4 secondes. Ce qui veut dire que dès qu'on prend un taquet d'un mob, s'il enchaîne, bah il fera moins de 32 dégâts. Et en plus, on lui inflige des dégâts. Ouais, c'est pas fou quand même. Le charme. Allez, pourquoi pas. Love it. Au pire, on le vendra. Mais je pense que le soutien, il vaut plus. Ah, ça c'est bien de récupérer ça par contre. Comme ça, on aura un cadeau supplémentaire à la fin de ce run. Oh, je l'ai pris, je sais pas comment. Enfin, parce que je l'ai pas évité, quoi. Mais je sais comment, en fait. Back to dust. Alors, le petit zoom au moment où je prends le piège, c'est pas gentil, hein. C'est juste pour montrer mon incompétence. C'est pas cool. Il faut qu'on augmente notre vie, hein. En fait, il y a, vous voyez, quand on progresse comme ça, il y a vraiment des trucs qu'il faut qu'on accumule. Alors, je crois qu'on peut avoir des pièces d'or maintenant, hein, dans les machins. Faut que je garde l'œil ouvert. Je sais pas s'ils nous les indiquent ou si on doit les casser pour. Je crois qu'ils les indiquent, hein. Au lieu de les chasser. Ah. Alors, 30 pièces d'or. Vos ennemis ont 15% de lâcher de la bouffe. Ah, trésor. Ouais, on va prendre ça. Bon, j'ai pas une thune. Des gemmes ou ça? Prendre ça. Il nous en faut 500. On va prendre que ça à chaque fois. Sandwich, 19 gemmes, oh ça c'est bon. Ouais, il faut qu'on fasse ça à chaque fois, surtout qu'on a le bonus. Oh oui, un mob spécial. On va pouvoir lui donner le mid en plus, qui que ce soit. Within the depths of Tartarus reside the most wretched of all the shades who linger for eternity within the underworld, whose lord and master is especially unkind to those attempting to cheat death. Lots of wretchedness to go around, I guess. Well, if it isn't you. Hello, sir. Alors, offrir. Hey, sir. Thought this might ease your burden for a while. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this. Not with it. Cher Brisé. You know, Prince Ed, I'd not expected to run into you again. Not after all this time. Something amiss down in the house, or what? Not had much company of late, is all. Well, something's just about always amiss back home, sir.
Figured it couldn't hurt to check up on things in Tartarus a bit more frequently. Well, I am grateful for it. I and the old boulder there, in turn. I'm used to going lengthy stretches on my own, but having visitors from time to time would do me well. Ok, alors, de la nourriture, pas besoin. L'obsidienne, je crois que c'est ça. Les oboles, non, l'obsidienne, on a le bonus en plus. Donc là, il nous en donne 109. C'est grâce au bonus, hein. Ouais, les urnes, je sais pas trop. Je vais pas passer mon temps à casser toutes les urnes. Alors là, je me charme sur la Doomstone, normalement ça devrait tuer tous les ads. Hein. Ouais, ça tue les ads rien qu'avec les éclairs. J'ai 50 points de vie. J'ai que 50 points de vie. Alors, électricité statique, vos effets électriques appliquent l'état choqué. Quand elle fait une attaque, elle se blesse et elle blesse les ennemis à proximité. C'est balèze. Vous infligez plus de dégâts pendant les 15 secondes suivant votre appel. Ah. Et puis c'est un truc. Je vais le prendre juste pour combler le... Toujours à long terme, hein. Donc en gros, quand j'utilise ma capacité spéciale de charmer quelque chose, je fais plus 25% de dégâts pendant 10 secondes. Ce qui est nul, hein. À moins que ça soit un effet... Ah oui, c'est nul avec le truc d'Aphrodite. Mais c'est pas nul avec justement un appel qui fait des dégâts. Vu que quand je l'utilise, il augmente mes dégâts pendant 10 secondes. L'appel, il dure environ 10 secondes. Et donc en gros, je fais un truc de fou, quoi. Oh, des dalles. Dédale, qu'est-ce qu'il va nous proposer? J'avais pas aimé le point lourd, hein, finalement. Je pensais que ça allait être bien et c'était pour Ab. Ok. Vas-y, tire. Ah, oh, merde, je peux pas. Ouais, évidemment. Bon, j'ai pris que 5, c'est pas grave. I can't. Si c'est pas une bande de pénibles tous ces trucs. Ah mais arrête de sauter sur ce piège. Et puis depuis qu'on a fait nos premières parties, on n'est jamais tombé sur cette foutue Athéna. La seule qui protège, quoi. Alors, point final, votre assaut inflige 60% de dégâts, il termine également votre série d'attaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Est-ce que ça fait un assaut à la fin? Non. Non, je comprends pas. Point allongé, vos attaques à une portée augmentée et infligent plus 10 de dégâts? Votre attaque inflige plus 5 points de dégâts de base pour chaque frappe consécutive. Oh, ils sont tous bien. Je vais prendre celui-là parce que c'est plus... Je sais pas. C'est plus sympa. Je pense que ça m'aidera à toucher. Alors là, il me propose quoi? 50 gemmes. Eh ben, on va les prendre. Même si on doit mourir dans cette salle, j'aimerais bien récupérer un max de gemmes. Ça va, les mobs? Ça marche pas trop. Bon, la portée, c'est quand même bien. Hein. On l'a fumé. J'ai perdu plein de points de vie, mais on a été vite, au moins. Et du coup, on en récupère 80, grâce à tous les bonus. Parce que j'ai le truc du chaos, plus le truc de l'arme. Attendez, on va essayer de gratter aussi les pièces. Il n'y en a pas. Hein. Alors, on a combien? 91 pièces d'or, donc on va pas aller chez le marchand, on va continuer à gratter les gemmes. 328, on va y arriver, hein. On va avoir un refus de la mort supplémentaire dans la boutique. Et en un seul run, on aura réussi à le faire. Bon, on se jette dans un piège cache. Ah, ils étaient armurés. Ça va pas, il faut que je me concentre un peu, sinon on va mourir là. I'm empty. C'est horrible, c'est une erreur.
même si on les déboîte vite. Là, toute la salle était armurée quand même. Hein. Pas mal, j'ai plus de vie, hein. J'ai 2 points de vie qui se courent après. Et il me propose un truc où je me suicide et un truc où je gagnerai pas. De vie. Ah, en voilà une. 5 pièces d'or. Ok, ouais, c'est vraiment nul ce qu'on a acheté. Hein. Il y a des urnes, elles ont des petits points d'exclamation et elles rapportent. Mais attendez, mon objectif c'est de quoi là? C'est de survivre? Arrête de taper tout le monde! Casse-toi! En même temps, c'était un bon moyen de pas mourir, de tuer tout le monde. Par contre, on fait de l'or, hein. Il y a pas mal de mobs. Il meurt assez vite. Bon, notre refus de la mort, on peut le racheter de temps en temps. Là en plus, il y a un trou du chaos. J'en ai charmé un. Ça servit à rien. Alors, tourbillon de force, vous infligez après votre appel 15 secondes. Charmé. Votre attaque produit une étincelle. Ouais. Extra blessing. Et là, ça me coûte 23 points de vie et j'ai 22 points de vie. Donc oui, ok. soit j'augmente mes points de vie, soit... Je crois que c'est ça. Même si j'aimerais bien aller voir le marchand. On pourra toujours utiliser les pièces d'or plus tard. Il faut qu'on prenne le truc de Médusa. Hein. Le truc de soin. Ça nous aurait évité le refus de la mort là. Can't get rid of me, Meg. Hold it, Zagreus. I sense something. Is that... Ah. Même le créateur primordial est impliqué dans tout cela. Chaos is giving me the power to crush you doesn't mean they're getting involved with this, does it? You don't know who or what you're dealing with. Ask Nyx about them for me sometime. Here, I'll give you a chance to ask her very soon. Mais elle croit toujours qu'elle va nous battre, quoi. Not yet. Quoique avec ça, ça va être tendu. Ah putain, mais je le sais. Je fais un dash en arrière, mais vous voyez, quand je suis en train de taper comme ça, les dashs en arrière, c'est pas des gros mouvements. Hein. Et du coup, je m'éloigne pas assez et je me prends sa rafale. C'est pas mal quand elle fait son truc. Après la charge. Hop, j'en charme un, je charme l'autre. Allez avec moi les gars. On les charme pas assez longtemps, j'ai l'impression. Hein. Ah, j'ai charmé Meg. Cassons-la pendant qu'elle est charmée. Oh lui! Il lui restait 3 points de vie! Bon, bah c'est le run qui n'avance pas là. Désolé, je suis pas doué. Mais on a récupéré 328 gemmes. Donc on a quand même. On a quand même fait le taf, hein, je pense. Au moins là-dessus. Ha! Megara the Fury got you again! She is unstoppable, isn't she? One time, I tried to stop her on the way to have a chat with your dad and she didn't even turn her head! My condolences. You're much too modest, Lord Achilles, for someone with such a number of heroic deeds and glorious decapitations to his name. You ought to be more like ever boastful Zagreus and talk it up some more. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful of my day. And would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus.
Ils ont pas l'air de le prendre terriblement au sérieux. Que dire, je fais de mon mieux. I should check in with the house contractor. Ah, on peut acheter un truc. Alors, je sais pas ce qu'on va prendre d'abord. Les armes qui... Ah bah non, on peut pas. Oh bah on a que ça. 20% de plus que d'habitude. Allez, pourquoi pas. I like the sound of this one here, good contractor. Go make it happen. What is it that you're all about? Ce qui est étonnant, c'est que on trouve ni Fontaine, ni Athéna. Donc je sais pas pourquoi, mais je pense que le jeu essaye de me tuer. Hein. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as lord. I cannot say the same for you. Ouais, c'est pas demain la veille. Alors, ok, on a encore des trucs à apprendre avec Hadès. I trust that the mirror in your bedchamber has proved satisfactory, dear child. Better than I could have possibly imagined, Nix. You mentioned there was something more that it could do once I had grown accustomed. I think you are as well. Then it shall be as you wish. Ah, elle a changé quelque chose à mon miroir. Le miroir, c'est où on augmente nos caracs. Ok, alors mon noir. Néanmoins, elle ne mélange pas la peine dans la maison. Ok, non, il n'y a rien d'indiqué. On va aller voir. L'employé du mois, ah bah oui, elle m'a battu. Évidemment, elle m'a cassé la tête, donc elle est employée du mois. Anything good? Alors, on a un nectar pour 5 clés, mais non, les clés, il faut qu'on les garde. Un diamant pour 100 trucs comme ça, putain, ça aurait été cool. Mais on les a pas. Hi, Your Highness. I just wanted you to know that if you do get out, I... Vous me manquerez. C'est mignon. Thanks. C'est mignon. I'll sleep when I'm dead. Something new in store for me. Non, on n'arrive pas à combler ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a changé? The mirror's grown in power. Thank you, Nix. Je vois pas ce qu'elle a changé. Ah, ça. Ah! Ok, alors ça fait quoi? Réinitialiser les talents, d'accord. Et là, on peut changer le pouvoir. Infliger plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez des ennemis indemnes, plus 15 par niveau, à la place de taper dans le dos. Franchement, taper dans le dos, je suis pas ultra fan, mais 50% c'est quand même beaucoup. Alors attendez, on peut faire ça? Récupérer tous les trucs? Je récupère tout. Return my darkness to me. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va prendre les refus de la mort. On va regarder l'autre. Refus obstiné. Restaurer 30% de vie au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à zéro, une fois par chambre. Oh mon dieu! Ah, ça a rien à voir. En gros, là j'ai un refus de la mort automatique à chaque chambre. C'est-à-dire, j'ai le droit une fois par combat à un refus de la mort. Donc ça m'a l'air assez balèze. Par contre, que 30% de la vie, tu regagnes. Donc c'est quand même moins fort. Est-ce que ça suffira, par contre, pour tuer Thésée et le Minotaure? Je suis pas totalement sûr. Hein. En fait, pour tuer Thésée et le Minotaure, il faudrait que j'ai plusieurs refus de la mort et que je n'ai rien dépensé durant durant le trajet. Je pense que ça sera plus efficace. Par contre, ça me coûte 30 et 500. Et le prochain, ça coûte 1000. Ok. Donc, deux refus de la mort, déjà, on va faire ça. Ensuite, on va regarder les autres. Hein. Présence féroce, ouais, c'est ce qu'on augmentera. On va laisser présence féroce. Régénération obscure. Restaurer une petite fraction de votre vie lorsque vous ramassez des gemmes. 30% de la quantité ramassée. Au lieu de 3 points de vie par chambre. Oui, non, clairement, on prend ça. 30%. Et puis, en plus, on peut l'augmenter, c'est génial. Ah oh ouais, 60%. Parce que les gemmes, on en ramasse à gogo. Donc ça va nous faire des soins à chaque fois qu'on ramasse des gemmes. Donc on prendra l'autre truc sur les gemmes qui nous donne je sais pas quoi. Présence féroce, ok. Refus de la mort, ok. Réflexe aiguisé, réflexe impitoyable. Augmentez de 50% vos dégâts et vos chances d'esquive pendant les 2 secondes lorsque vous vous élancez. Juste avant de subir des dégâts.
Ouais. Et là, je peux faire un dash supplémentaire. C'est quand même vachement fort, le dash supplémentaire. Parce que sans dash, contre Meg, par exemple, je sais pas comment je gère. J'ai déjà du mal à m'éloigner avec le dash. Bon, en même temps, là, ça me donne 50% d'esquive pendant 2 secondes, hein. Quand je dash à la dernière minute. Ok, on va le tester. De toute façon, on peut dépenser une clé pour enlever, hein. Coup de sang. Vous infligez plus d'attaque et de technique lorsque vous frappez des ennemis ayant des gemmes. Ouais, je trouvais pas ça super, donc ça va sûrement être l'autre. Réduisez les dégâts et la vitesse de déplacement des ennemis ayant des gemmes en eux. Et ben voilà, au moins ça fera un effet utile, on va dire. Tiens, je vais mettre juste un point pour le moment. Âme, alors, augmentez votre réserve de projectiles. Âme stygienne, régénérez votre projectile pour votre lancer au lieu d'avoir à le ramasser. Moins une seconde plus rapidement par niveau. D'accord, donc là on n'a plus besoin d'aller chercher les projectiles, ils se régénèrent automatiquement. Oh non, ça me dérange pas d'aller les chercher. Ouais, c'est pas si gênant. Non, je préfère en avoir plus. Parce que là, je peux tirer, aller les chercher, tirer. Et je peux tirer et elles soient à l'intérieur. Parce que là, si elles sont comme ça, là, âmes stygiennes, elles vont plus à l'intérieur de l'ennemi, donc elles les ralentit plus. Non, je crois que c'est nul. C'est un pas combo avec sang-froid. Donc on va prendre ça. Alors on a combien? 193. J'aimerais bien garder pour le 1000, mais... Deux refus de la mort, c'est déjà pas mal. Hein. Présence féroce. Ça, c'est des dégâts en plus à l'impact. Hein. Donc on va... Putain. Waouh. 75 de dégâts en plus à l'impact. Durant les mes assauts, par exemple, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va ralentir de 10% les ennemis quand ils ont des gemmes à l'intérieur et on a un tir supplémentaire. Au lieu d'en avoir deux comme avant. Ça veut dire que là on aura que deux tirs. Ok. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal. Espérons qu'on s'en sorte mieux quand même. Alors. Infligez plus 40% de dégâts d'attaque, de technique et de lancer lorsque ceux-ci ne sont pas sous l'effet d'un bienfait. Donc c'est le premier truc à prendre ça. Ça veut dire que là, quand on n'a pas de technique, on fait plus 40 de dégâts surtout. On va prendre la lance parce que c'est lui qui est buffé. Et on n'a pas les 8 clés. Ah, dommage. Say, Skelly, don't suppose you'd care to tell me how the infamous Twin Fists of Malphon came to be right here in this very... Nope, not any of my business, pal, which is to say, I didn't see a thing. And even if I did, it isn't what I'm paid to do. Don't you have someone in your fancy house there paid to... Okay. Alright, maybe I will. On va essayer d'utiliser un peu l'aller-retour de la lance, là, que j'utilise jamais. Par contre, ça, ouais, ça c'est fort. Hein. L'assaut, je veux dire, comme ça. Ça fait pas des masses de dégâts, mais ça fait tellement une AOE au bout de la lance, que je pense que c'est pas mal. Bon, la lance. Qu'est-ce qu'il nous faut comme pouvoir? Le truc électrique, c'était pas mal. Hello, Lord Ares. Le truc qui balançait des scies circulaires, c'était pas mal. For his grim work, let me continue mine. I trust that one day you shall... Alors, sort d'agonie. Ah, maudit, c'est bien, mais pas niveau 0. Votre élan fait une faille, votre lancer crée une faille. On va prendre le lancer. I'm out. On en a que deux, c'est vrai. Look at all that coin. Ouais, c'est vrai qu'on a que deux lancers, c'était peut-être pas une excellente idée. Vous voyez, c'est ça, des fois ça ricoche et ça a pas fait tout le temps ce que je voulais. Ok, joli hike. Je m'attendais pas à ce que les flèches viennent de ce côté. They're gone. Athéna ou le chaos. Non mais on est obligé d'aller au chaos quand même hein. Parce que le chaos c'est plus rare et il faut en profiter. Oh, putain, pour une fois qu'il me donne Athéna. Le salaud. C'est le jeu, il fait tout pour te rendre fou hein. Ouais, on est ailleurs. Hein. Regardless of the fate's design,
Together we may twist that half of it, if you would like. Alors, ironie féroce. Alors, plus 38 aux dégâts aux personnes indemnes, attaque plus 31 ou 38 points de vie. Donc ce qu'on veut, nous, c'est attaque ou points de vie. Donc les trois choix pour chaque combat, chaque fois que tu utilises une technique, tu perds 4 points de vie. La technique, c'est le lancer de la lance. Pendant 3 prochains combats, vous affronterez 40% d'ennemis en plus. Non, on va prendre l'attaque. Et on va prendre... On a besoin des clés. Enfin, on a besoin de tout, hein, en vrai. Peu importe. Next. On fait des pièces, ouais, on fait quelques pièces d'or, hein, sur les crânes. Je me demande si je devrais pas laisser les machins fondre des crânes pour faire des pièces dessus. C'est tuer les crânes, en fait les... Ouais. Ça fait pas de pièces. Non, ça ne fait pas de pièces. The key for back home. Ouais, ce serait trop facile. On pourrait farmer comme ça. I can't. Not yet. Bon bah ce fut rapide. Ah, on régénère la vie quand on ramasse des gemmes, donc faire les gemmes c'est bien. Non, j'ai pas fait, j'ai pas pris quand même si. Je crois que je l'ai pris comme un as. C'est tellement précis que ça tape pas bien, hein, la lance. Vous avez vu, il y avait deux crânes côte à côte, je tape sur un, ça a pas touché les deux quand même. Hein. Nice. Alors, on gagne 7 points de vie quoi, sur 12. Enfin 12 parce qu'on a un bonus. Points de vie max, on va prendre. Poséidon, il attendra. Je l'ai esquivé. Ah oui, c'est mon dash qui me fait esquiver de temps en temps les coups, d'accord. Oui. Athéna, voilà, il me l'a remis plusieurs fois. C'est bien. Il nous faut le dash qui nous protège. Ou alors, au pire, le lancer qui... Au coq, on a déjà ce lancer là. Ce que j'aime bien dans ce lancer, c'est qu'on perd pas les machins. Ah non, mais ils vont pas dedans. Mais je suis con. Ils vont pas dans mes cibles, et les cibles, elles sont ralenties quand elles sont dedans. Ouais, bon, c'est quand même pas grave. Quand même pas grave, parce que c'est balèze. Eh ben ça faisait longtemps. Vous maniez Varata, la lance éternelle. Alors, bouclier sacré. Lorsque vous subissez des dégâts, vous en infligez aux ennemis et vous bénéficiez d'un renvoi. Votre élan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer. C'est ça qu'il nous faut. Votre technique est plus puissante et permet un renvoi. Ah ouais, mais on la prendra jamais, ça. Si, il faut le prendre avec l'arc. Mais regardez, allez, on est invulnérable. À chaque fois qu'on fait ça... On a le bouclier. Mais si on fait ça en plus au moment où on va prendre une attaque, on esquive de 50%, en plus on augmente nos dégâts de 50%. Donc si je fais ça en boucle et que je prends des attaques, je suis quasiment invulnérable tout le temps. Donc en fait, il faut que je spam la barre d'espace. Ça va être bizarre, ça va être saccadé, mais les combats... Mais vous voyez, ces trucs-là, par exemple, on renverrait tout, hein. J'ai dash comme un salaud, mais
Ouais, ça va aller mieux. En plus, on régénère avec ça. Et si, ça va le faire. Maintenant, il faut qu'on augmente notre jauge de vie pour avoir un peu plus de flexibilité quand je fais le boulet. Parce qu'en général, quand je prends des dégâts, j'enchaîne les dégâts tout le long du combat qui suit. Ouais, là, par exemple, vous voyez, je fais le con. Parce que je me dis, allez, un dernier coup pour le tuer et je me prends du coup la charge d'un autre. C'est que du grid, hein. Ok, alors ça, on va essayer de le garder pour la maison. Il faut qu'on donne à Achille, à Cerberus, à papa. Et à... Medusa. Non, Medusa, on lui a déjà donné. Nyx aussi. Oh, putain. Vous voyez, renvoyé. Renvoyé à cause du bouclier. Et en plus, j'ai 50% d'esquive, donc... 50. Bah, j'ai entendu un bruit. Non, y a pas. Une clé pour l'arme. Si on peut débloquer l'autre arme, on va aussi avoir des cadeaux des prophéties. On n'a plus qu'un seul dash aussi, hein. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'esquive moins bien, c'est qu'on n'a plus qu'un seul dash à la fois. Je peux pas faire dash dash pour m'éloigner de beaucoup. Par exemple là, vous voyez, j'ai fait réflexe sur la mine. Mais c'était limite quand même. Alors, ouais, oh, on a les sous, on a Zeus. Zeus sur la lance, c'est pas mal, hein. Ouais, mais bon. Allons au marchand. On a plein de sous. Comme ça, on peut choisir. Bon, déjà, on va prendre les gemmes parce que c'est des soins. 18 points de vie de soin. Charon, on peut lui donner. Non. Ah. Là-bas, il y a des pièces d'or. On va lui parler quand même. Charon, mate. I don't suppose you've given any further thought to my proposal. Ok, il veut qu'il l'emmène à la surface. Non, il veut pas. Alors. Lui nous donne du speed. Lui nous donne du poison. Avec la lance, non, on va prendre ça. Alors, quand, le soin quand on fait le truc, on peut s'élancer une fois de plus. Ah, mais c'est génial parce qu'on n'a pas ça. Vitesse de déplacement. Récupération rapide, c'est sympa aussi, hein. On récupère une partie des vies qu'on perd. Non, je vais prendre ça. Voilà, du coup, on a deux dash. Et avec deux dash, on survivra beaucoup plus facilement avec le bouclier qui va bien là. Ça va bien avec le pouvoir d'Athéna en tout cas. Oh, there you are. Just as I was beginning to. Admit it, Meg. You can't stop thinking about me. Don't flatter yourself. I think of you in pain. And now there's no more need for the imagination. Ah, bah tu. Fantasme comme tu veux, Poulette, hein. Si c'est la douleur ton truc. Bon, par contre, ouais, au niveau des gars, il va falloir trouver un moyen de la tabasser. Au début, on peut y aller cool parce qu'elle est pas trop énervée. Je vais aller récupérer mes trucs. Ah, mais je peux lui renvoyer tout ça, je suis con. Vous voyez, renvoyer réflexe au moment où elle a attaqué. Par contre, bon, j'ai pris tout le reste, mais. Là, je lui en renvoie plein. C'est dangereux, hein, ce que j'ai fait. J'ai chargé, en fait je me suis dit que plus je serais près d'elle, plus j'en renverrais d'un coup.
Mais c'était chaud. Faut vraiment que j'attende la fin de sa charge pour lui envoyer des machins. Je lui ai posé avant de me prendre les dégâts, j'espère. Ok, bon, je prends toujours plein de dégâts, mais je pense que c'est notre propre style. Hein. On va encaisser, on va donner des coups et en recevoir, c'est pas grave. Là maintenant, on régénère en prenant des gemmes. Ça va aider. Entre ça et les puits, normalement, on régénérera beaucoup plus que la connerie qui nous donnait 3 points de vie par salle. Hein. Alors. Next stop, Asphodel. Tir tranchant niveau 1, je vais peut-être le vendre. Le élan c'est d'affilée, non. Élan divin, non. Ouais, le tir tranchant, cela dit, c'est ce qui fait les dégâts chez moi pour le moment. Alors. Déplacez-vous 20%. Ouais, ça a l'air nul, d'accord. On a 133. Si je le vire, il m'en donnera un autre. Hein. Allez. Et là. Là, du coup, on va changer, bien sûr. Bien fait que vous trouverez Dionysos. Zeus. Les 100 pièces d'or, ok. Ah, les soins en. Ouais, augmentons ce truc. On prend les soins en tapant dans les urnes. Il nous force à casser les urnes, mais bon. Do not mess with me right now. Ça renvoie, Ike. Donc je pense que je peux les renvoyer. Même si on n'avait pas le renvoi, on a le réflexe. Hein. Qui a 50% de chance d'éviter les coups passivement, on va dire, après un dash. Bon, ça sert à rien parce que je fais pas vraiment de dégâts avec. Les points de vie. Oh. Parce que notre jauge de points de vie, on arrivait à l'augmenter de beaucoup avant. Et là, vous avez vu, ces derniers runs, on meurt très vite. Simplement parce qu'on n'a pas de jauge. Hein. J'ai pris ultra cher, mais ils ont pris la double explosion, ça me plaît. So close. Charge dans le tas. Elle meurt toute seule. Elle meurt vraiment toute seule dès que je charge dans un gros tas de trucs. Par contre, faut pas que je tente d'aller charger, vous savez, en plein milieu de l'endroit où elle le lance. Parce que c'est vraiment trop risqué. Bon, par contre, ça nous fait évidemment perdre du temps. Hein. Cette histoire d'urne avec Médusa. Ok. Des soins ou... Ouais, allez. Si on peut monter à 200 points de vie, ça devrait être suffisant. On a deux refus de la mort. Oh, en plus, il nous donne une fontaine. Oh, bon, c'est fait. Fate's being kind, I guess. On est full. Et en plus, on aura peut-être l'attaque de Zeus, du coup. Ah. Ah, la Méduse. Ok, je peux lui renvoyer ces trucs. Ah, mais il y a un truc qui va me tomber dessus, en plus. Ah, je l'ai pris.
mon dash m'éloigne pas assez, hein. I can't. Ça reste comme des mules. Ouais, en même temps, j'ai pas de pouvoir vraiment de baston, hein. Allez, on le tient. C'est mon dash, j'ai l'impression qu'il en voit pas assez. Mais faut que je dash deux fois, c'est tout. Voilà. C'est juste, je suis idiot. Voilà, il stun lock. Until next time, gigantic Gorgonhead. My brave daughter Athena beat me to you this time, has she? No matter. With her blessing and my own, you shall be mine. Avec sa bénédiction et la mienne, plus rien ne pourra t'arrêter. Oui, en effet. Alors, technique foudroyante, un éclair qui s'avole sur les ennemis. Oh, il faudrait qu'on la prenne. Votre attaque produit une étincelle. Ah là 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 là. Non, je suis obligé de prendre ça. Thunder time. Ouais, ça sent bon ça. Et puis un Dédalus derrière. Très bien, si on améliore ça, ça devrait picoter. Ah, il y aura un puits du chaos. Ouais, on a de la vie. Même les bombes on les renvoie, hein. C'est l'enfer. Alors après on doit pouvoir jouer sans ce pouvoir, hein. Mais c'est tellement pratique au début, surtout quand tu manipules pas bien le jeu. Alors votre balayage charge et récupère beaucoup plus rapidement. Lorsque vous préparez votre balayage, vous devenez robuste et infligez régulièrement 40 points de dégâts. Maintenez enfoncé le bouton de technique pour infliger jusqu'à 200 et sa portée minimale est réduite. What? Broche. Ah oui. Ouais, ça c'est les balayages. Oh putain, mais c'est nul. My spear grows stronger. Ouais, admettons. J'y penserai jamais, hein. Alors, clé ou. Ah, portail. Hop. All right. C'est le seul parce que c'est aléatoire, on sait pas ce qu'il y a dedans, donc je préfère aller prendre ça. Hop. Nourriture. In the name of Hades. Alors, torture cupide, plus un tir. Technique inflige 48 de plus. La valeur des pièces d'or ramassées, plus 45%. C'est nul. Là, on subit plus de dégâts, c'est trop dangereux. Quand vous utilisez votre technique, vous perdez 5 points de vie, donc ça nous gêne pas. Voilà, allez, on prend les pièces. Même si c'est pas fou. On prend. Allez, des sandwichs, peut-être qu'ils traînent. Voilà, petit sandwich. Oh, désolé, Charon. Ouais, Athéna encore. Je suis pas sûr que j'en ai besoin d'un autre. Mais on a les sous, donc pourquoi pas. Here's the thing. We cannot effectively communicate with Charon from Olympus. But he is amenable to certain trades, and seems unfettered by your father's influence. Ok. Peau de bronze, vos ennemis vous infligent moins de dégâts. Ah, c'est cash. Les pièges vous infligent moins de dégâts, sympa. Votre technique plus puissante peut renvoyer un... Moi, je vais prendre la peau de bronze. On prend 10% de dégâts en moins. Du coup, est-ce qu'on a besoin de prendre la vie, là? Je me dis qu'augmenter un de mes pouvoirs de 1... me paraît plus sexy. Frappe foudroyante. Voilà, on fera plus mal avec les petits éclairs. Et là, on va régénérer de la vie en plus sur les obsidiennes. Ok, ça commence à prendre forme, hein, avec deux refus de la mort en plus. Ah, mais elle a une nouvelle tête. Oh non, elle va avoir autre chose. Ah ok, elle fait des tremblements de terre. Dedans. Invulnérable, ok. Ah,
Ah, c'est quoi qu'elle ferait? Elle ferait des petites crottes. Mais elle meurt trop vite. Lui il tire, donc on a juste à renvoyer. Can't do that. Oh ouais, celle-ci est nulle, hein. J'ai l'impression qu'elle est moins forte que ses autres versions. Hop. Bon, quand même des dégâts, je sais pas comment, mais c'est bordélique sur l'écran. Voilà. Je prends les missiles alors que j'ai le machin qui peut les renvoyer quand même. Ouais, et puis c'est que je surveille pas les zones au sol. Je suis en train de combattre les ZAD. Réflexe qui a esquivé le coup. Ouais, non, c'est fort quand même. Là, j'ai que deux pouvoirs en fait. Renvoyer les dégâts. Et simplement foutre des coups de lance électrique. Mais ça suffit. Il faudrait qu'on ait un bon lancer en fait. Un truc genre épique. Et ça devrait aller. 120. Hop. Notre barre de vie qui remonte grâce à ça. Plus la fontaine. Plus éventuellement les sandwichs. J'ai peut-être un peu abusé sur la régène de vie quand même. Mais bon, la régène de vie c'est pas mal. C'est pas mal quand t'as une grosse jauge aussi. Go on and try. Bon. On va changer la régène de vie là. On n'a pas besoin avec l'autre truc. Donc contre les ennemis éloignés, plus 10 de dégâts. Non, non, il nous faut le bol de charron. Comme ça on va se prendre des buffs pour jusqu'à la fin. On va vendre... aucun des trucs, parce qu'on a déjà rien. Vos ennemis ont 15% de lâcher de la bouffe pendant 9 combats. Oui. Plus 50 quand ils sont indemnes. Ah merde, mais on a plus de sous. Dommage. J'aurais dû prendre le dégât plutôt. Voilà. Et là, il faut qu'on passe absolument les deux boulets là-bas. Il nous faut un Dédalus. Il nous faut un pouvoir de lancer. Si possible, Dionysos. J'aimerais bien. Parce qu'il avait l'air de stun et tout. Ah, des Dalus sans problème, ça. I'll be leaving shortly. Nice. Il lâche des sandwichs, mais j'ai pas encore pris de coup. Hein. Ah non, j'ai mangé le sandwich alors que j'étais full life. Oh merde. J'ai renvoyé les attaques. Ah, c'est fort ce renvoi, mais c'est trop fort. Je sentais bien qu'il allait me taper. J'ai pas pu dash, je sais pas pourquoi, j'allais peut-être utiliser les deux charges. Broche cruelle. Vos techniques infligent plus 50% de dégâts et 50% de chance d'infliger des dégâts critiques au retour. Ok, ça a l'air puissant. Votre attaque frappe dans 3 directions à la fois. Votre attaque a une portée plus élevée. Oh, c'était trop fort ça. Pointe extensible, c'est ce qu'il faut. Mais je vais prendre le triple pointe pour voir. Ah mais ça tape dans... ça s'écarte en tapant. Ok. Ah bah ça va pas être pratique pour viser ça. Je vais faire de la merde avec ça. Alors, est-ce qu'on augmente notre pouvoir? Nos pouvoirs sont bien. Mais en fait, ils sont pas super à l'augmentation. Hein. Ils sont bien de base. On va plutôt en prendre un nouveau. Ok. Des chariots. I'm out.
Bon, l'avantage c'est que là, en tapant en zone, ça fait plusieurs arcs électriques, j'imagine, si je tape plusieurs cibles. C'est peut-être ultime. Hein. Et peut-être que ça tape plusieurs fois si je suis très près de l'ennemi. Je suis pas sûr, ça va prendre. Bon, j'ai plus réellement besoin de viser, hein, en vrai. Et là, regardez, là, ça les stunlock tous. Enfin, presque les stunlock. Il bouge un tout petit peu. Alors, je lui ai donné à lui... Ah non, j'ai dit que je gardais pour la maison. Allez. That's quite a nice bone hourglass you've got there, boss. So you're in good with my professional associate as well. A real gentleman. Ah, c'est Charon son associé, ok. Alors, délai de délogement des trucs. Ah ben, ça dépend de ce que j'ai comme lancé. Hyper vitesse, durée de l'accélération, non, ça a l'air nul ça. Récupération rapide, les points de vie. Ah, non, ben je vais prendre ça. Time to pick up the pace. Ah. Ça c'est bien parce que les bonus durent plus longtemps avec... Technique, non. 38 points de vie, pas besoin. Eh ben on va prendre ça. Le prochain boon qu'on a, il sera plus haut niveau. Et on n'est pas blessé, donc on traverse. Voilà, des pièces d'or, très bien. Pour Charon. Ça va, ça encaisse pas beaucoup. Heureusement, sinon ça aurait été l'horreur. Il y a des soins là-bas, je vais pas les prendre tout de suite. Vous avez vu le réflexe, comment j'ai évité? Et là, leur grosse bouboule, hop, dans ta face. What do we have here? Oh, oh merde. Ah, c'est risqué, hein. Bon, je l'ai pas pris, mais c'est risqué parce qu'il y a la boule, des fois, vous avancez dessus juste pour la renvoyer, mais vous êtes plus en renvoi. Oh, il y a deux sandwichs. Oh, c'est abusé. Mm-hmm. Je mange des sandwichs, je suis full life. Ok, bon, point de vue vie, j'ai peut-être un peu abusé. Par contre, ce qui nous manque, c'est ça. C'est la flèche qui... Vous savez, les flèches qui auto-guidaient, qui allaient vers l'ennemi. The Bull of Minos. Oh, fuck. You have met the champion, the king. Let us see if you are fit. Okay. You mean face both of you together, which doesn't seem particularly fair. Oui, absolument. Mais je crois que ça lui réduit sa vie durant l'autre combat. Hein. Il avait commencé à endommager. I'd have expected you to know as much. But here, have your fair fight. Envoyé. Ok, ouais, non. Ça va aller mieux si on peut esquiver la moitié des attaques et renvoyer les autres. Enfin, renvoyer. Pas se les prendre déjà. En fait, faut que je dash à chaque fois qu'il attaque. Calme-toi. Ça, tu peux le spammer. Et ça, il faut y aller doucement. Ah oui, mais... Voilà, il retient ses coups et il le lâche d'un coup et du coup, on sait pas quand parer le coup. Je peux pas, j'ai pas le multi-dash. Si, j'en ai deux, mais... Putain, mais il me fait trop mal. Comment je peux éviter? En fait, c'est son corps qui me bloque mon dash. Ok, j'ai compris. Parce que moi, ce que j'essaye, c'est de le traverser comme ça pour être dans son dos, vous voyez. Et en fait, son corps me bloque quand je fais le dash. Et je me retrouve devant lui. Faut que je le chope de côté en fait. Il faut que je tape moins longtemps. Not now. Va mourir. Putain, il nous a mis cher. Hein. Ok, donc faut refaire la même chose en esquivant l'autre blaireau qui nous lance des lances. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il a des capacités en plus là. Il a quand même des capacités en plus parce que il lançait des trucs et que je renvoyais. Ce qui ne fait pas normalement. Hein.
Allez, les missiles, Alors, point de pression. Oh, il est beau, hein. 4% de critique sur toutes mes attaques. Les lancers qui l'ont fait des critiques. Votre technique est plus puissante. Bon, bah tant pis, on va prendre ça, c'est quand même cool. 4% de coups critiques, on va faire mal, hein. Et là, on va régénérer un peu de vie sur les gemmes. Finalement, on a un peu de régène un peu partout, mais ça va être chaud quand même, là, pas perdre un refus de la mort. Il s'est déjà pris une flèche, lui. Easy. Alors ce qui est cool, c'est qu'à la base, quand on frappait et un éclair allait sur un autre mob. Mais là, si on touche deux mobs en même temps, deux éclairs se répercutent sur le premier et c'est super fort en fait. On va se faire les archers, ils sont pénibles. Et ah oui, les papillons. Attendez. Hop. Alors, c'est bien de taper dans le tas quand même, hein. On a perdu beaucoup de vie. On en récupère 7. Ouais, ça va être dur. Mais on est déjà à 300 gemmes, hein. 300 gemmes récupérées. J'ai plus le truc. Si. J'ai toujours le truc pour les sandwichs. Non, je l'ai viré le truc pour les sandwichs. J'ai pris le truc de charron. Ok, il nous faut des points de vie, oui. Bah, surtout pas le combat contre les dieux. Ça sucks. Flame wheels. Ça lâche des sandwichs aussi à cause du truc qu'on a pris, mais c'est pas le truc de Médusa, hein. Ouais, ils sont blindés, ils seraient pas blindés, je les one shotterais, mais là si je leur mets pas deux coups, ils infligent leurs dégâts. Mais je sais pas où il est. I'm out. La flèche qui fait 20, je me la suis prise. Alors que j'appuyais sur le dash pour la renvoyer. Ah, dommage. Oh là là, il y avait plus rien en plus. On avait 25 de vie. Oh, putain, quel gâchis. Alors, 100 pièces d'or. Allez, on se l'ouvre. You shall regret this. Probablement que je vais le regretter, ouais. Je vois pas tellement de critiques, hein, quand même. Enfin, y en a, mais... That's quite enough. Peace and quiet. Ok. J'ai pris les pièces parce qu'on va, on risque d'en avoir besoin si jamais on veut récupérer un refus de la mort ou au moins garder de la vie haute. Voilà, on va prendre les pièces encore. Oh, putain, mais ces mobs comme je les aime pas. Ok, je regrette hein, le truc de Médusa à chaque fois de l'avoir enlevé. Au début on en a pas besoin, à la fin on en a besoin et on l'a plus. Des sandwichs, oui. Prends-moi de la vie. Ils sont hostiles ces lanciers, hein.
j'aurais pu le renvoyer ça. Hmm. 326 hein, quand même au renvoi. C'est pas anecdotique. Alors, hop. Ah oui, on gagne plus d'or en plus, 145 au lieu de 100. Mais c'est vrai qu'on a un boon du chaos qu'on a pris, qu'on ne savait pas quoi prendre. Bon bah là on prend les points de vie hein. Bon, ce qui m'embête c'est qu'il... Ah, joli, il me donne une fontaine. Bon, j'ai eu de la chance, la fontaine est bien tombée hein. Mais là ce qui était embêtant c'est qu'il me donnait pas de marchand. Et là il me donne un marchand mais... Ah ouais, moi j'en ai pas besoin, je l'ai déjà le pouvoir que je veux. Alors, ah, Ares. Ares, il y a un truc qu'on a besoin avec lui. Je sais plus quoi, mais... Alors, la faille tranchante. Vos attaques techniques et lancées infligent plus de dégâts. C'est basique, mais efficace. Hein. Lorsque vous utilisez votre refus de la mort, vous infligez plus de dégâts jusqu'à la fin du combat en cours. Ça, c'est bien, hein. 15% de dégâts en plus, c'est mieux que ça. Mais ça, c'est tout le temps. On va prendre ça. Oui. Et oui. Delicious. Alors, notre élan, non. La peau de bronze, ah, pourquoi pas. La pulsion meurtrière, plus de dégâts tout le temps. Allez. Allez, va pour ça. On est à 175 points de vie, on a un refus de la mort. C'est dommage qu'on ait pas pu racheter le deuxième refus de la mort, mais je sais plus comment on fait. Allez, c'est parti. TC et le Minotaur. On n'a qu'un seul pouvoir, on a une attaque triple. Alors, attendez que je réfléchisse, que j'oublie pas des trucs. Notre balayage il va plus vite, d'accord. On va aimer le balayage. Sur le bouclier ça pourrait servir éventuellement. Trois directions. Le délogement de mes missiles, d'accord. L'attaque qui tape plus fort. Les coups critiques. Les lancements plus rapides et la valeur. Ouais, ok. On a quand même pas mal de trucs hein, mine de rien. Mais on dirait pas comme ça vu qu'on a que deux pouvoirs actifs vraiment. These two. Bon, Minotaur en premier alors. So, Hellspawn, you seek to break through to the surface of the world, but you shall not achieve your goal whilst I yet live and breathe, or the equivalent of it here in the splendors of Elysium. And you leave me with little choice but to make you shut up already, and your bull-headed manservant there. That Minotaur whom you address is my dear friend, you preconceiving stain upon the earth. Asterius and I are brothers here in death, as we were enemies in life. Not that you could ever understand fraternal bonds as strong as ours. Mm-hmm. Il a l'air moins dangereux. Je galère beaucoup moins à esquiver ses attaques. Mais il est plus basique. Bon, peut-être pour le moment, hein. Vous voyez là j'esquive à chaque fois parce que c'est... Voilà, je suis déjà mis live sur Mino et je sais pas ce que fait l'autre. Je le combats dans un mouchoir de poche pour rester derrière le pilier. Hein. Ah oui, j'ai renvoyé ces trucs, ok. Un fouet, mais c'est pas grave, j'encaisse. Sa lance, je l'ai bien esquivé. Je l'ai eu. Ok, un de moins. Je pourrais lui renvoyer aussi. Renvoyer. Comme genre pénible quand même, hein. You have a lot of nerve, Hellspawn. Hellspawn.
Allez, on se ressaisit. Et on y retourne. Bon, ok, un refus de la mort. Ah, bah on en a qu'un en plus. Oh, mais en fait, il nous faut un truc qui fasse une AOE. Un truc comme ça, mais. Et qui soit plus efficace. Il faut que j'arrive à renvoyer son truc au bon moment exactement, quoi. Ouais, là, il nous a fait trop mal. En fait, au corps à corps, il fait trop mal. Non, j'ai pas réussi à le dévier. Et j'ai pas réussi à me cacher non plus. Ok, bon, ça s'est mieux passé quand même, hein. Beaucoup mieux passé. Et le pire, c'est que ça s'est mieux passé alors qu'on n'avait pas l'équipement pour. Perdre contre TC. Et ouais. What happened to Hypnos? Ah, Hypnos, c'est pas là, tiens. Ah, je vais donner à Cerberus le truc. J'ai. Look what I got for you, boy. Ouh, écoute ça. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. Thank you, boy. Vieux collier à pointe. Ok. She is gone, boy. She is gone. You are never going to locate her. You mean mother? How would you even know? You said reaching the surface was impossible as well, and I'm in striking distance. This is my final warning to you, boy. To cease this mindless quest. Or else the consequence. Sorry, father. I'm not afraid of you. Ok, allons voir s'il y a des échanges. Fine work, wretched broker. Il a encore bien bossé, lui. Let's see here. Alors, du sang de titan, ok. Pour 15 clés, non mais... Ça va, tu t'emmerdes pas. Du nectar pour 5 clés. Le nectar, c'est sympa, hein. Une fois qu'on aura fini ça, on n'en aura plus besoin. Ou alors, je demande des clés pour 10. Think I'll take it. Il nous en manque une. À cause d'une gemme. What do you want from me? Leave me alone. I was just checking up on you. Just let me know if you wanted to talk. I'm not interested in having company, especially from you. You stay the hell away while I'm off duty. Okay. What's for breakfast? Dinner, maybe? Non. Il peut nous faire à manger, lui. Hop, Medusa, oh, Enix. And after that, Dusa, you are to clean the rafters once again and prune the gardens thoroughly. By then it should be time to tend the kitchens and sweep the lounging area a second time. Eh oui. Yes, right away. Poor Dusa. What are those shades muttering about? C'est pas moi le plus amoché, vous auriez vu l'autre type, Enrixt, à cause du décès. Ok, là j'ai dépensé tous les points. Ouais, mais c'était. De toute façon, on avait que 20. Hein. J'aimerais bien voir ce que ça fait d'augmenter les autres. Here's the fee. Prophétie annoncée. Ok, on a changé le sol. Mais apparemment, ça fait partie d'une prophétie, donc on pourrait gagner des cadeaux en améliorant le décor. Ok. Happen to know whom I should thank for the weapons just outside my chambers, Achilles? I'm sure I wouldn't, lad. Though if I happen to run into them, I'll look. Non, c'est Achille qui nous a amené les armes. Ok, hyper, non. Bon, il nous manque une clé, c'est dommage. À une clé près, on ouvrait. Parce que maintenant qu'on sait qu'on a deux pouvoirs par chambre. Il faut qu'on ouvre ici. Alors, on a 311. Ah bah non, on avait... Ah oui, on a besoin de 1000. Si on a un troisième refus de la mort, il n'y a pas moyen qu'on passe pas l'autre débile. Âme infernale plus 1. Alors... Sang-froid. Réflexe impitoyable. Alors, je sais pas, le réflexe impitoyable. Je sais pas si ça vaut pas mieux d'avoir plus un élan. Là, on l'avait grâce à un objet. Hein. Enfin, grâce à une bénédiction. Mais avoir plus un élan, c'est quand même vachement bien. Hein. J'aime bien l'idée qu'on évitait les coups. Bon, on avait quand on dashait, on avait le bouclier d'Athéna. Mais quand on n'a pas le bouclier d'Athéna, imaginez, on le chope pas. Bah ça, ça fait à peu près la même chose, mais à 50% en vrai.
Donc, bon, déjà un tir de plus, ça c'est obligatoire. Ouais, et puis on va augmenter le sang-froid un peu. Ok. Ok, ok. I'm wide awake. On peut se reposer. Je lui ai donné du truc à lui. Wouldn't know a thing about it. Definitely doesn't have anything to do with those infernal arms of yours. Some of which. Ah, mais j'ai des pièces pour l'arme. Let's try it. Exogriff, the rail of adamant. Annihilate all who oppose me. Ah, c'est une mitrailleuse. Ah, ils ont abusé. Et le tir spécial, c'est une grenade. Oh, le tir spécial par contre. On va tout tuer avec ça. Taisez. Taisez, on va le buter avec ça. Parce qu'on va être caché derrière les piliers, on va lui envoyer des bonbonnes. Par contre, comment on va tuer le Minotaur, je sais pas. Hein. Ok, on peut faire un élan et. Donc on peut jouer comme ça. En se décalant et en tirant. Oh, ça a l'air nul, hein. Vu comme ça a l'air nul, hein. Mais on sait jamais. Ah, mais c'est con parce que l'épée. Non, non, mais on va aller voir aussi, hein. Hop. Parce que là, j'ai fini un machin, hein. J'ai les 6 armes. Alors, il me donne quoi? Nice to have my ancient legendary weapons there. Ok. Ah, c'est con. C'est con parce que là je pouvais acheter les clés avec les 64, mais on va développer un truc à 50. Pull it off, yes, girl. Alors, enrichissez le codex grâce à une liste pratique des bienfaits des Olympiens. Ou alors 10 pièces d'or par truc. On n'en croise pas beaucoup de ces trucs là. Les autres c'est des diamants, hein. Ouais, les diamants c'est chaud quand même. L'index du codex, non, on va prendre les urnes déjà. I'll have to keep an eye out for this next time out there. I cannot concentrate with you about. Ok, c'est pas mal. Vous voyez, donc on améliore le tout, on devient plus puissant, on a un refus de la mort supplémentaire, ce qui va nous permettre de passer ce compte de cette condarène. Et ça devrait le faire, hein. Et on va tester cette nouvelle arme. Ou alors, je reprends l'épée parce qu'on l'a pas testé beaucoup. Juste parce qu'il y a le bonus et on fera ce truc, c'est quoi? Comment tu t'appelles, toi? Merde, il a pas... Il veut pas me dire son nom. Bon, c'est pas grave. Ouais, on ira avec ça. On aura déjà un bonus, cadeau. Mais on fera ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.